Un agent d'exploitation, c'est une personne qui est chargée de s'occuper de camions. Aujourd'hui, l'exploitant, c'est vraiment la tour de contrôle de l'entreprise. On charge les camions de marchandises, que ce soit industriel ou autre, et on envoie cette marchandise à une destination X dans toute la France. Au début, je ne savais pas trop quoi faire, je suis tombée dans le transport par hasard. J'ai fait un bac pro transport, après j'ai fait des stages en entreprise et c'est ça qui m'a plu en fait, de batailler, de réfléchir, de livrer en temps et en heure, de savoir les problèmes sur la route, les embouteillages, est-ce qu'on va y arriver, tout ça, ça m'a plu. Bueno, dime, quería saber si mañana tenías un camión en la zona de Nantes. L'activité, c'est vivant, c'est très vivant, c'est dynamique. Il faut réfléchir un petit peu, batailler tout ça, voir si la marchandise, si tout va bien rentrer ensemble ou non, s'il faut sortir certaines palettes pour en mettre d'autres. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, c'est le complément. L'objectif, c'est de satisfaire nos clients, déjà pour commencer. Quand ça se passe très bien et qu'on nous dit « super, vous avez super bien travaillé », donc forcément ça nous valorise et on est très contents. C'est un métier qui est vraiment ouvert aux femmes et aux hommes. Il ne faut pas croire que c'est un métier d'hommes. Tout le monde croit que le monde du transport, c'est des hommes, c'est les ours, c'est le mâle. Mais pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le transport. Les qualités pour faire ce métier, la patience, de l'organisation et être très réactive. C'est passionnant, voilà.